salut à tous et à toutes, c'est Tomi, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau mode workshop, le mode troisième personne. Rien d'extraordinaire sur le concept, mais en tout cas très impressionnant, oui et non. Surtout que jouer la troisième personne permet de mettre en avant enfin son skin et d'avoir une visée un peu différente, assez intéressante. Mais c'est surtout la possibilité de voir son skin, je trouve ça très intéressant. Un peu comme on a dans tous les Battle Royale, de pouvoir voir son personnage à la troisième personne. Ben, c'est pareil. Sauf que bon, la visée change un peu, faut s'y habituer. Mais le principe, j'aime bien. Ah, ça va être très compliqué, on va essayer de... On va essayer de réussir à faire ce qu'on veut. Ok, on capture le point. Donc c'est une quick play standard, avec évidemment la vue à la troisième personne. Donc à chaque fois qu'on va mourir, on va switch le perso ou à chaque nouveau round, on verra. Mais pour voir un petit peu ce que ça donne, les différentes vues. Ok, le singe qui est coincé avec... Allez! Donc le double fist, hein, comme vous voyez, vous en doutez, un peu comme la Brigitte, c'est pas trop problématique parce que ça se joue un petit peu comme dans Street Fighter et autres. Vous fightez, vous tapez, vous visez à peu près, ça marche quoi, c'est ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà, le singe qui fuit. Et c'est le spawn kill, mes enfants. C'est le spawn kill. Attends, ma clé. Meteor strike. Bim. Bien, on est plutôt bien. Ça c'est fait. On va pas arrêter là. Trop dangereux. Attention! Là on joue qui est à qui passe. Oh la guerre, on est là. Parfait. Comment ça? Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. C'était trop bas. Oh, j'ai pris cher. Oh, j'ai marché dans une grenade, explosé dans une autre grenade. Et bon. Bon, bah ça arrive. Ok, donc on va passer sur un autre perso, Doomfist. Bon, c'est le standard, c'est un peu comme si je prenais Brigitte. On va prendre un perso Hitscan. On va voir un petit peu ce que ça donne. Prendre, ou peut-être pas Hitscan forcément, prendre un Hanzo, une connerie comme ça. On va changer un Genji. Non, un Hanzo, allez. Hop. Ouais, ça peut le faire. A voir. Ça peut être assez intéressant. À voir s'il y a d'autres persos qui peuvent être... Ah, ça peut être un concept aussi, Soldier. Non, on va rester sur Hanzo. On va voir. On switchera si on meurt, etc. etc. comme ça. Wow. Alors par contre la visée, waouh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, mais là ça va être facile avec une formation face. Et à un moment donné, si j'ai pas d'allié, ça va être compliqué. Je vais me mettre en compétence tout mon skin de Hanzo, mais en troisième personne contre une Pharah qui arrête pas de bouger aussi, comme d'habitude, ça va être compliqué. Ok. On va récupérer notre healer qui est mort. Allez, Camilla. Et on est reparti. Wouah. Bah oui. L'habitude de faire des flick shots, j'ai pas besoin en fait. Oh là là. Compliqué. Ok,
on a point, on est sur point. Compliqué hein, les flick shots habituels. Voilà. On a le point, c'est parfait. Allez, un petit ulti par là, ça fait un kill, non? Même pas. Oh la tête! J'ai mis une tête, ma première tête! Allez! C'est bon ça! Tommy, gros joueur de Hanzo, même en troisième personne. Allez, on va aller les chercher. En plus, c'est bien, on voit les angles là. C'est plutôt bien finalement ce mode. Un peu comme les Battle Royale. On voit les angles. Hop, 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 les gars. Pardon? Pardon? Elle est où la hanche? Là-bas? Allez! Tommy! Main troisième personne! T'es main quoi, Hanzo? Doomfist? Non, non, main troisième personne. Je crois qu'il y a un Reaper par là. Non? J'ai? My servants never die. C'est une jupe par là, hein. On est d'accord. Non, c'est mes bruits de pas. LOL. Le mec, il mélange ses bruits de pas et Genji. Hop, 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 hop. Ah, ça, c'est compliqué. Ok, on traverse. Et il vient sur point. Meurs, parfait. Ah, c'est compliqué, hein. Troisième personne. Oh. Ok. Non, troisième personne, plutôt pas mal. Moi, c'est un mode que j'aime bien. Ça met en avant les skins, ça change un peu le gameplay. C'est rafraîchissant. Rafraîchissant tout en gardant Overwatch tel qu'il est actuellement. Avec des skins, etc. Mais une visée un peu changée. Là, on change un peu du tout au tout, mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien, ça met en avant les skins. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye.